Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Ganinjaï, Warul Tip. Warul, Ragal, championnat Italie commence. On a vu la Juve qui a battu la Sampdoria, deuxième sans Diao Baldé Keita. Donc on va parler de Diao Baldé Keita et de ce transfert. Donc Diao Baldé retourne en Italie pour se relancer la revanche de Diao Baldé Keita. Lolo Nyihar, reculer pour mieux se réparer. Actuellement, Diao Baldé Keita, sa carrière est en train de s'y défendre. Il faut que Moudem Italie pour reprendre sa forme d'avant. Parce que Tonya Italien, il a fait ses meilleures saisons en Italie de 2013 à 2017. Il a fait 4 ans de folie, folie la Lazio d'Orom. Mais depuis que vous quittez Lazio, ça ne va plus du côté de Diao Baldé Keita. Motor, pour la équipe nationale du Sénégal, il a été donc devancé dans la hiérarchie des excentrés par Ismaïla Sarr. Motor Diao Baldé Keita, il va rejoindre l'Italie en prêt, donc avec la Sampdoria de Gênes, pour essayer de redorer son blason. Parce que vraiment, il doit se remettre en question et essayer de retrouver son meilleur niveau. Parce qu'il a un talent, mais il doit exploiter, il doit exploiter, il doit viser comme Sadio Mané. Parce que Sadio Mané, donc Sadio Mané est talentueux. Il faut que le talent pur, Sadio Mané est talentueux, mais Sadio Mané est un homme, un homme motivation, un homme ambition, gère hygiène de vie aussi. Donc Sadio Mané, il doit donc copier sur Sadio Mané pour revenir à son meilleur niveau. Sinon, il risque de perdre sa place en équipe nationale du Sénégal. Donc, Bernard Fille est supporter, tout le monde l'aime, mais il faut faire attention. Sinon, parce que l'équipe nationale du Sénégal, les places ne sont pas des titres fonciers. Quand on a fait une performance, on a fait une chopette. Donc il n'y a pas de souci à faire. Dans l'Italie, il y a des Sénégalais, des Sénégalos italiens. Donc il y a des Sénégalais qui évoluent en Italie. Donc Diao Baldé Keita, Mondarenek, le 7e Sénégalais de l'escadron, donc des Sénégalais, Folletti, Italie. Il y a déjà quelques Koulibaly avec le Napoli. Donc il a joué face à Parum pour une victoire du Napoli. Donc c'est pour dire que Koulibaly, depuis 2014, il Napoli, il va entamer sa 6e saison donc en Serie A avec le Napoli. Donc Koulibaly, c'est un jour confirmé, il a été meilleur défenseur de Serie A, donc équipe type Serie A. Donc c'est l'homme fort, le rock des donc partenaire de Napoli. Donc Moustapha Seck, mon fa Aestrom l'année, Moustapha Seck, mon aussi ancien joueur du FC Barcelone. Donc Jarna Masia avant d'aller au donc dans le club de Il Capitano, Francesco Totti, Kokmoy, deuxième Sénégalais. Donc à part Koulibaly, donc ensuite on a Ibrahima Mbaye de Bologne, mom ñep xam nañ ko, latéral international sénégalais. Il a été lancé en équipe nationale par Aliou Cissé. Bokk na ci latéral yi gëna décisif, à chaque fois il donne 3 passes décisives voire 4. Donc c'est un latéral qui mérite d'avoir sa chance parce qu'il est compétitif. À chaque fois, que Aliou Cissé, Ibrahima Mbaye, il est compétitif, il joue contre les Cristiano Ronaldo, de grands ailiers, donc Candreva, donc les grands excentrés. Donc en Italie, il joue donc face à Ibrahima Mbaye. Donc il est compétitif, il joue le haut niveau. Donc pourquoi Moko Bagnoo, alors que Moussa Wagé, il n'avait pas de temps de jeu. Donc Ibrahima Mbaye aussi, il mérite sa chance en équipe nationale du Sénégal. Vraiment, donc c'est un très bon latéral. On a une meilleure chance. Parce que le dernier match ami, c'était face au Soudan, qualification qu'en 2000. Donc quand 2019, donc c'est pour dire qu'il y a gagné. Donc Ibrahima Mbaye, donc on a une marche ensemble, équipe nationale du Sénégal. Mon mungi Bologne, mon du Koulibaly, mon mungi Udinese. Donc mon du Koulibaly, mon encore aller. Donc Serie B, mon aussi, il peine à s'imposer dans le très haut niveau. Pour l'instant, il est talentueux, il a de l'avenir, mais pour l'instant, il est donc en deçà donc du niveau de la Serie A. Donc Yves Baraye aussi, mon Parme. Yves Baraye, défendant une présentation, mon aussi, c'est un joueur de Parme. Abdou Diakhaté aussi, Parme l'année. Donc Diarona Fiorentina avant d'aller à Parme. Donc voici 6 Sénégalais. Donc en plus de Diao Baldé Keita, s'il officialise sa signature à la Samp, donc il n'y a que 7 Sénégalais en Serie A. Est-ce qu'il peut quitter la Juve de Turin? En tout cas, Napoli a Koulibaly mo gëna djék. Sinon, Diao Baldé Keita personnellement, ñu xaar mu def saison bu baax. Donc au niveau des statistiques, au niveau de l'engagement, comme ça on veut revoir le grand Diao Baldé Keita. En tout cas, c'est la saison du rachat Diao Baldé Keita. Il faut racheter où et convaincre tous les Sénégalais qu'il peut atteindre le plus haut niveau. Diao Baldé, Baldé.